Alors, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a une heure. En fait, j'attends un colis depuis le début de la journée. C'est important, c'est un colis pour faire marcher ma caméra. Et ça devait être livré aujourd'hui. Et donc je me dis, bah j'en ai marre, j'attends depuis trop longtemps. Je vais prendre ma douche. Ouais. Ça sonne mon téléphone. C'est livré. Okay. J'ai un poil, je suis mouillé. Ça, c'est une situation insupportable. Du coup, genre, je décroche. Je lui dis au téléphone, mais vous pouvez le mettre dans la boîte aux lettres. Et il me dit, non, c'est une remise en main propre. Ok. Ok. Alors, je lui dis, vas-y, bah sonnez, je vous ouvre. J'ai pas le temps de me sécher, m'habiller et tout. Donc je lui dis, vas-y, c'est grave gênant, mais il va voir que je suis pas un genre de pervers bizarre en mode bonjour les gars. Il va voir que je suis trempé, que j'ai les cheveux mouillés et que je sors vraiment de ma douche. Donc je mets juste ma serviette autour de ma taille. Ok, t'as la conf un peu. Bah non, mais okay. J'ai toujours fait ça et jamais de problème. Mais pitoyable. Comment on se jette? Bah avec un peu d'élan. Alors la nage de... c'est la brasse indienne hein. Donc la serviette autour de la taille, un peu trempée, je vais sur la porte d'entrée, j'ouvre, il a le colis dans une main, ouais. Et son téléphone dans la main droite. Je tiens toujours ma serviette, tu vois, et avec ma main je tiens le colis, ouais. Et je vais pour le reprendre, mais il me le garde un peu dans ses mains et il me dit attendez, j'ai besoin de faire une photo. Il s'apprête à prendre son téléphone des deux mains pour faire la photo et moi du coup je veux récupérer le colis, donc je prends ma deuxième main pour tenir le colis. Mais du coup il y a un petit temps de pause et là ma serviette se dit tiens, aussi je glissais. Et il prend deux photos parce que j'entends il a le bruit de l'appareil photo. Et au moment où il prend les deux photos, ma serviette tombe, j'ai la bite à l'air. Non, c'est horrible. Et en plus t'as la photo. Elle est en photo. Mais c'est pire que tout. Et je sais, il a vu ma bite, il l'a prise en photo machin. Et moi j'ai réagi mais comme si, vraiment comme si j'avais fait tomber un stylo par terre. J'ai dit hop là. En mode comme si j'étais comme si j'étais pas mal à l'aise de la situation. En mode oh la petite bourde. Mais moi là le problème que j'ai, c'est pas que l'ivoire il a vu ma bite, je m'en fous. C'est qu'il a une photo de ma bite. Ouais, c'est vrai que la photo. Et en fait, puisque je connais un gars qui travaille chez Amazon, il m'a dit le seul moyen que t'aies la photo de ta bite, c'est qu'en fait tu fasses une réclamation pour dire que tu l'as pas reçue. Et eux vont t'envoyer la photo qu'ils ont reçue. Mon seul espoir, ce serait qu'ils m'envoient les photos. Et que je croise les doigts pour que je vois que c'est genre trop flou. Y a tu peux m'envoyer la photo de ma bite. Je vais pas jouer à la manette. Mec, t'es sûr? Ça se trouve, c'est beaucoup plus jouable à la manette. De toute façon, regarde, je vais faire 10 mètres. Ouais. Hey. Voilà. Maintenant, je prends ma manette. Ok, prends la manette. Fais pas exprès. On dirait un mec qui est en rééducation là. Arrête. Avoue, il y en a un qui est plus fluide que l'autre. Tu mens. Regarde, je suis complètement non, idiot. Bon, je crois que ça va être. Okay. Je crois que ça va carrément être la souris. Mais excuse-moi, je me permets de poser la question. T'as pas envie de faire un parsec? T'as pas envie de jouer à ce délicieux jeu? Allez. Attends, tu vas pas te faire un petit plaisir? Allez. Allez. C'est le cœur m'en dit. Attends, alors. Attends, on dérive là. Attends. Il faut nager. Attention avec ton pagne, on va voir ton cul. Fais des mouvements. Fais des mouvements tranquilles. Ok, en fait. En fait, c'est facile. C'est... Attends. Oh là. Oh putain. Eh, hey, je le prends bien en main ton bousin là. Ça va. Eh bah, ça va vite être torché ce jeu, je vous le dis. Une fois que j'ai le coup de main. Regarde, t'es prêt? Je vais tenter un truc. Ah, tu vas tenter genre de te jeter en l'air? J'arrive pas à comprendre la pulsion. Ah si, c'est l'espace, je le fais jamais. Oh là. Eh, ça c'est bon à savoir. Quand tu te rattrapes, t'as quand même un petit moment où il glisse. Hein. Ok, t'es prêt? Ouais. Wow! C'est incroyable! C'est un naturel! Oh il a fait ça toute sa vie! Eh, tu m'as donné par sec, je suis désolé, je joue! Hein. Vas-y! Et là, oh bah toi! Eh bah tu sais quoi? Attends! Ah oui, mais attends, comment on transfère vu qu'il faut pas lâcher le clic? Je t'envoie là-bas! Oui, bah tu me renvoies en bas quoi! Putain! Ça glisse la boîte! Oui, ça glisse, faut que tu. Soit tu tends le bras assez haut, voilà, soit tu te jettes! Ouais, faut que ça se dépêche! Oh! J'ai tellement mal à la main déjà, je suis tellement tendu sur ma souris. Allez! Allez! Un peu pitoyable parce que il suffit juste d'être rapide pour aller tout en haut de la pompe à essence et de tendre le bras. Ok, ça va. Vous êtes sûr de ça? Je viens pas de là. T'es sûr que tu veux aller par là? De là, là. Normalement, on fait moi, toujours je voudrais que aller monter, là-haut. Hein. Pas là? Bah, vérifie bien qu'il y a rien en haut. Ah ouais, non, c'est le panneau. C'est un sacré panneau quand même. Allez, bah, tu te jettes sur le côté et tu t'accroches. Allez! Oh non, je dois faire un saut de ouf là. Attends. Hop là. Alors là. Pourquoi toi il tient? Parce qu'il faut le faire vite. Voilà non, non, c'est faux. Attends. Eh, faut le faire vite. Fais-le vite. Ah, c'est bon là. Allez. Ah, ça c'est de la belle prise. Allez. Ouais, vas-y, ce saut là. On transfère ici. Ouais, si, putain, il va y arriver, ça va me casser les couilles. Pas de soucis. En fait, c'est. Voilà, les sauts sur le côté, je sens qu'il y a vraiment un.
Ça me rassure. Je vais te dire. J'aurais dû. C'était grave faisable. J'ai juste pas pris assez d'élan. Je vais te dire, ça me rassure tellement, putain. Non, mais est-ce que t'as fait un gros saut, hein? Franchement. Non, mais en vrai, c'était grave faisable. J'ai juste pas donné un assez gros coup de souris. Ouais, ça va être ça. Putain, mais le jeu avait l'air si simple. Mais il l'est? Non, il est pas simple parce que des fois, il s'accroche pas, ce connard. Le souci. Et souvent. Généralement. Entre l'écran et la chaise de l'ordinateur. T'as dégueulé ou c'est le joueur? Non, il était dans l'effort, il a fait. Je sais pas qui dit la vérité. C'est moi, il peut pas parler, c'est moi. Bon alors là je vais y arriver, parce que j'ai voulu frimer, mais en vérité... C'est mais passé attends, exactement attends. La même non, chose mais, parce que tu sais genre je voulais faire à la une, à la deux, mais en fait dès que j'ai fait à la une il a glissé ce connard. C'est quand même passé exactement la même chose. Non mais parce que là j'ai pas lâché, j'ai tenu mais il a glissé. Oh, c'est beau ça. Mais c'était sûr que j'allais y arriver. Oui, non, ne sois attends, pas insupportable. Que je passe juste en dessous. Dis que voilà, t'es content. J'ai envie de devenir meilleur à ce putain, je serai meilleur. Eh, ça crispe, hein. T'as vu, ça fait un peu mal à la main parce que t'es crispé sur ta souris et tu fais des gros mouvements. Ça craque, fais attention, ne prends pas une mauvaise branche. Tu te prends pour Balou? Non, il s'appelle pas comme ça. Le singe, là, dans ton doigt, l'exploratrice. Ah, non, c'est pas Balou. Oh non, 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 il a tombé jusqu'où? Oh, il est ta mère. Il s'est lâché, il s'est lâché. Bah non, mais c'était 2 mètres avant l'eau. Full flemme. Allez, Babouche, voilà. Ah, mon Babouche. Regarde Babouche, là, jusqu'où il va aller. Ça y est, je suis énervé. Allez, tombe pas vite s'il te plaît parce que là je suis en train de grignoter. Alors, est-ce que tu as un conseil à me donner vu qu'on est amis? Ne te mets pas tout à fait au bord, monte un peu plus haut. Pas ouais. Tout à fait au bord parce que en fait dès que tu vas prendre un peu d'élan tu vas glisser. Voilà, ici c'est bien. J'y vais à deux mains comme ça. Et tu y vas, voilà. Et là. Mais les bras ils sont inutilisables à ce moment là. Vraiment, c'est parce que j'ai pas encore fini de manger. Ah, c'est le jeu de l'année, vous l'avez vu chez Wanky là, vous le verrez chez tous vos youtubeurs ouais, favoris. Vous le verrez chez tout le monde, donc profitez bien là, c'est... Vous pourrez dire aux streamers qui vont le faire, déjà vu chez Wanky là, c'était bien mieux. Ouais, n'oubliez pas de leur dire que bon, on a quand même eu l'idée avant eux quoi. Ouais, n'oubliez pas d'être bien désagréable dans le chat. Ouais, qu'est-ce que leur bien les couilles, vous faites bien chez nous hein. Y'a pas de raison que les autres n'en profitent pas. Faut que je trouve un moyen de... Mais tu fais bien ce que tu veux. Moi juste j'y arrive. Tiens. Pourquoi il se décroche? Il est trop con, il a aucune poigne. Et donc, combien ça fait de temps que tu fais d'escalade là? Bah ta gueule. Parce que moi c'est mon premier jour, regarde. Non mais si, le problème c'est qu'il est trop nul. Quand il a une prise, des fois il la lâche. Ah, si ouais. Tu fais un certain mouvement qu'il aime pas, il est en mode ah oh, trop dur. C'est prêt? Attends, moi c'est ça que je veux. Je veux comprendre ça, je veux juste comprendre ça et après je te nique. Si oui, j'arrive comme un enfant qui dit papa, c'est ça que je veux faire. Si j'arrive à comprendre ça, t'es baisé, c'est sûr. Et je vous rappelle que je suis sur Parsec. Parsec aujourd'hui c'est une technologie qui est quasiment instantanée. Comme Shadow à l'époque. Putain, je veux apprendre à jouer comme lui. J'aimerais trop être comme lui, il est c'est trop, trop beau. Valorisant que tu dis. Casse les couilles. J'aimerais trop être comme lui. Putain, c'est tout ce que je veux être. Ça me saoule. Je te montre pas la lune, merde. Putain non, moi aussi je veux jouer cette partie du jeu, elle est trop marrante. Ah putain. Attends, comment je suis tombé tout à l'heure? Oh, t'en as dans les bras hein, putain. Ah ça, c'est horrible le jeu, croyez-moi bien, vous rendez pas compte, mais ça crispe. En vrai ça fait crispe mal, crispe je vous jure ça fait mal. Attendez, je vois plus le chat, après je dois recharger le chat quand il tombera. Mais vous inquiétez pas, il va ouais, tomber bon. Très vite. Faut ses deux mains. Voilà. Ah il recharge le chat. En gros, je l'avais dit. Ah voilà, je sais où je vais l'avoir, ok les gars. En fait, oui, il grimpe bien, allez oui, yeux. Il a un énorme talent, il est hyper beau. Mais le truc c'est qu'en fait, c'est l'endurance. Regardez comment il... Chaque run, il grimpe moins bien. Bah non. Si, en fait, là t'as pas les éclairs, qu'est-ce que tu fais? En fait, il va perdre en lucidité et il aura mal au bras. Bah là j'ai vraiment déjà mal. Tu vois, t'as mal de plus en plus tôt. Moi le jeter c'est pas un problème, hein. Ça reste un problème pour toi mais pas pour moi. Là il a dit un truc, même lui il s'est dit oh, audacieux quand même. Parce que audacieux d'être allé jusque là. Je vais analyser ses mouvements. Enculé. Il fait souris gauche. Allez, je te laisse parfait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, moi le saut n'est plus un secret. En plus, c'est plus un secret. Ça y est, j'ai compris, les amis. Vous inquiétez pas, vous allez voir la suite de ce putain de jeu. Ils sont encore en train de chercher sur le site s'il n'y a pas la moyen d'avoir la photo là, sans faire une réclamation. Et déjà en train d'engager un détective privé pour faire supprimer cette photo de sa bite. J'ai une mission très simple. Non, je veux la voir d'abord. Je veux pas que ça soit supprimé pour la postérité. Je veux la voir. Je vais retrouver cette photo de ma bite, mais je la veux en bon état. Vous me la rapportez vivant. Eh, il l'a littéralement fait là, ok? Bon, attends, je me redresse, que je sais que je vais devoir rejouer. T'as lâché les deux mains en même temps? Bah, évidemment, si tu as les deux mains. Ah, ça, je te dis attention par contre, parce que si tu fais ça, tu vois, ça glisse.
Ah, bah le jeu n'a plus de secret pour toi. Alors là, en gros, maintenant que j'ai débloqué cette connaissance, je peux aller jusqu'au bout du jeu. Oh là, alors, bien. Vous inquiétez pas, c'est juste qu'il faut y aller consciencieusement. Ça, c'est du nouveau pour moi. Oh non, non. Trop tard. Putain, t'es dans l'eau là. Tu lâches. Oh non, non mais j'étais en confiance, j'étais en mode... Ah, c'est sûr, c'est bon. Où c'est-vous? À partir de maintenant, vous allez découvrir un nouvel endroit. Je vous le promets. Oui, bah concentre-toi parce que t'es pas tout prêt. Ah ouais, ouais, il a mal. Ah, le problème, c'est physique. Hein. C'est physiquement qu'il craquera. Quelle est la différence entre un gros coup de souris et la barre d'espace? Clairement, la barre d'espace, c'est tout ton corps qui va vers le haut. Genre, c'est pratique pour faire des petits trucs, pour avancer petit à petit, mais quand t'as besoin d'aller bien haut, barre d'espace, ultra nécessaire. Ouais, ouais. Il fait trop le professeur, il fait trop le mec qui a tout compris. Mais je te donne des conseils, si t'en veux pas, tu te démerdes. En attendant, c'est qui était là? Tu m'as donné zéro conseil. Tu t'es bien mis là, hein? Tu t'es mis là, c'est sûr. Sur okay, le jeu, t'as, sur le jeté. T'as lâché les deux mains ou pas? Sur le jeté, tu m'as regardé, tu m'as rien dit. T'es malveillant. Si, t'as pas donné des conseils. Oh, oh là que... Ouais, ce qui te perdra, c'est comme ça. Mais voilà, parce que je suis en train de te parler en même temps. T'es trop pressé. Oh, ça y est. Oh bah, hey, on va faire un stream gnomique pour qu'il arrive en haut. Il fait l'ancien. Ouais, tu fais trop l'ancien de la falaise. On dirait un poète. L'ancien de la falaise. Allez, je vais vous montrer ce que c'est la suite du jeu. Alors, regardez. Ok. Ok, ça va. Non, mais c'est bien. Il y a une progression. On avance. Allez. Un cas de chocolat. J'espère que j'aurai le temps de l'avaler avant que tu tombes. Et attends, t'es tombé là? Ouais, je crois. Putain, ça fait peur. Ouais, j'avais pas atteint le caillou. C'est-à-dire que t'as pas réussi à faire ça. Non, mais il est culotté. Bah, je suis totalement prêt à dire qu'il est moins bon que moi. Hein. Parce que pour pas faire ça, il y avait absolument rien dans le move en gros. Profite parce que ton arrogance, ça va être rendu au centuple. Je vous fais une vie. Ah! Oh! On peut nager! Oh! Merde. Son rire s'est arrêté d'un coup. Putain. Mais attends, mais pourquoi il a l'opportunité d'accrocher ici là? Allez, je vous dis, prochaine chute, je te le laisserai. Mais là, franchement, c'est la chance d'une vie. Non mais c'est abusé. Comment t'es naze? Ta gueule. T'as glissé tellement simplement. Mais en fait c'est parce qu'il faut pas s'accrocher trop près des bords. Allez, dans le chat, soyez un peu désagréable et faites comme tous les fils de pute qui pensent qu'ils sont drôles et marqués Karma. Karma is a bitch. En fait, il faut absolument qu'on le termine avant que tous les connards jouent là, parce que sinon ça va dire parce que sinon ils vont dire ouais, Wankil, ils n'ont pas fini. Il n'a pas fini parce que t'as forcément des fils de pute qui vont passer 7 heures dessus d'affilée. Voilà, voilà, voilà. Ouais, t'as eu le courage de prendre tes deux mains? J'ai sauté, ouais. J'ai sauté parce que pour moi, c'est... Où... Qui est... Quelle main est à qui? Ok. Excusez-moi, c'est votre main? Est-ce ah que ouais, j'ai tu intérêt... peux pas aller sur le bout de bois en haut à droite? Et si tu peux... Non, ah, tu... je... Bon, ça va. Ça va, y a pas de panique. C'est fort quand même. Pour moi, là, deux mains, push-up, hop, et à droite. Non, non, oh là, non, bah non, bah non. Vas-y, vas-y, montre, vas-y. Ok. Vas-y, montre. Alors, c'est la première fois que je monte ces parois rocheuses, donc... Attention, c'est la petite... T'as tout gâché. Attends, mais ce connard, t'as vu, il a mis ses pieds sur la paroi, il a fait « C'est parti pour un plongeon !» T'as gâché tout mon travail. Ah, mon œuvre. Eh, tu sais ce qui est bien? C'est qu'il a fait le même type de jeu que tous les autres jeux, là, mais y a pas un connard qui parle derrière. Ah, c'est vrai, ça. Il s'est dit que ça amusait personne et que ça cassait les couilles. Ouais, en fait, ça ne sert à rien de faire ça. On s'en fout. Les petites histoires, là, bah on s'en rend, en fait. Personne n'a jamais écouté, en fait. Je commence à avoir une petite faim. Du coup, moi, je vais aller chercher des trucs. Je vous dis à plus tard, à demain. Ok, quand il revient... Non, prochaine fois qu'il joue et qu'il tombe, mais vraiment tombe jusqu'en bas, hein, ou bien bas, vous dites en gros genre il est nul, passe la manette à terre. En fait, vous l'énervez en mode il est nul et moi je suis trop fort. Et dites pas ok là, passe à autre chose. Ok, vous avez mangé quoi ce soir? Moi je vous ai pas de carbo. Ok. Ça va? Ça va être... Ouais, ça va. Vous êtes là depuis quand? Vous passez une bonne soirée? Ça devient pitoyable. Une chose que j'ai loupée, c'est l'heure. Le reste, je l'ai. Putain, à chaque fois que je vais aller chercher des petits gâteaux, je vais revenir avec mon casque, tout doucement. Je prends pas assez de temps de récupération. Tu veux pas faire une pause pour tes petits bras? Ouais, ta mère la pute, voilà, je te dis. Voilà, c'est ça la blague, c'est que j'allais te dire ta mère la pute. Ouais, voilà. En fait, toi, tu sais faire des sauts sur le côté, mais les sauts vers le haut, ça te dit rien. Toi. Et toi? À toi d'imaginer la... Tu vois un mec qui allait commencer un clash, mec. Et toi? C'est à toi de compléter ton propre clash. Et toi Ah, j'ai mal au ventre.
À force de rire à toutes mes blagues. Non, non, c'est... Ce n'est pas de carbo. Bah, je suis constipé. Ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie, mais... Réfléchis bien. Tu préfères avoir mal au ventre et la chiasse ou mal au ventre être constipé? Bah, j'en viens de demander. De trouver un choix. Dans tous les cas, t'as mal au ventre. Putain, on va reparler de caca. Et du coup après les gens ils font genre mais bon qu'il en fait ils sont plus caca hein. Super hein, raconte une merde. C'est vrai qu'on parle tout le temps de caca, putain c'est trop chiant. Mais bon, ok, on va faire comme les autres streamers. Ça va, pas parler de caca, okay, il s'énerve. Ils parlent de quoi les autres streamers? Mais rien, c'est juste bah, il faut 6 heures de live pour faire un best of de 10 minutes, voilà. Voilà, parce qu'ils parlent pas de caca et de sperme, ouais, voilà, c'est chiant. On peut pas s'amuser, sérieux. Si les autres en parlaient plus, on en parlerait moins. Mais on a ce devoir. Semaine dernière, je me fais une folie, je me dis tiens, pourquoi pas me faire 5 tartines de beurre de cacahuètes. Je sais pas, je vais bien ça. Et je les mange et je me dis ouais ça va. 3h du matin. J'ai un peu mal. J'ai passé de 3h à 7h du matin en train de faire des recherches Google pendant que j'avais mal. Sur le beurre de cacahuète, sur... Le beurre de cacahuète. Enfin, tu sais, sûrement, tu t'ennuies, tu cherches tout et n'importe quoi. Je suis là, genre, je fais le truc habituel. Je suis là, bah, Damien, c'est pas compliqué, tu prends un spasson. Enfin, j'en prends deux. Ok, ça passe pas, toujours aussi mal, d'accord. En plus de ça, je prends un... Comment ça s'appelle? La trilibutine. C'est sur ordonnance. Putain, j'en ai marre de... Vas-y, continue, je t'en prie. Et voilà, je prends ça. Et j'ai déjà fait. Enfin, ça m'est déjà arrivé de faire ce truc-là en mode si le spasson est pas suffisant, ok, je prends trilibutine. Parce que j'avais regardé sur Google et les deux sont pas incompatibles. Mm-hmm. Non seulement ça passe pas, ouais. Et là je me dis à un moment donné, oula, est-ce que c'est normal? Je sens mon cœur battre à travers ma gorge. Ouf, genre vraiment. Oula. Et je fais, attends, est-ce que je suis pas en train de faire genre. Une attaque? Et alors du coup, je vais sur Google. Est-ce que je fais une attaque? Genre, à partir de quel BPM ça devient grave? Et je vois que c'est genre, faut avoir 60, 80, je sais pas. Quoi, BPM en mode normal, je suis à 120 et je me dis est-ce que c'est beaucoup 120 et je regarde et en fait à 110 ou au-delà c'est probablement une attaque. Si t'es pas en train de faire du sport c'est probablement une attaque, ouais. Tu sais, je suis pas réveillé là, mm-hmm. Mais je vais quand même lui envoyer un message au cas où genre je décède, je lui dis ce que j'ai pris comme médicament, comme ça il y aura... je t'aime. Non, je me suis dit, mais je vais juste dire pour la science en gros, je suis pas mort d'une attaque, je vais dire ce que j'ai pris comme médicament. Donc j'ai juste dit, je me sens pas très bien, j'ai pris 2 spasmons et un trilibutine, et j'ai le cœur qui accélère. Faut pas que les gens disent putain, elle avait une maladie cardiaque cachée. Non, c'est. Non, c'est. J'ai mélangé 2 médicaments et je suis mort. Voilà, et du coup t'es pas mort? Non, au bout d'une heure et demie, mon cœur a battu de plus en plus lentement. Le mélange là, il a dû pas être top. Oui, c'est bon. Oh là là, on va t'en parler. Voilà, je comprends rien. Voilà, je comprends rien à ce que t'as dit là. Oh là, c'est bon là. Bah, on prend un trop gros bout de gâteau, je pourrais pas parler. À la limite, on fait un truc. Ouais. Non. Quand il dit des trucs comme ça, mais tu sais c'est, même pas c'est ce que qu'il va ajouter un concept qui va nous faire chier. Il va dire, ouais, quand tu tombes, tu dois donner 50 balles à l'autre ou je sais pas quoi. Ouais. Là. Voilà, c'est, je connais très bien. Ouais, non, parce qu'après, c'est trop facile. Du coup, tu te concentres, ça devient lent. C'est... Ouais. Tu tiens pour un truc, moi, la branche, elle est vraiment atteignable, mais bon. Ah, presque, hein. Et bah, tu sais quoi, elle est peut-être pas atteignable, donc à la limite. Est-ce qu'il y a pas un truc. Plutôt la fougère. Ouais, alors, oh, tac, ça tac, glisse. Tac, alors, pour moi, il y avait un truc comme ça. Ou. T'as trop de chance de faire une zipette mais à droite. Oui. Ah donc c'est possible. Faut c'est se possible. Bien comme il faut. Oh là. Oh là. Non, ça fait peur mais ça reste des points d'accroche. Ouais bah ça. Oui t'as raison, c'est rien du tout même. En fait faut pas obligé. De... Oh la violence. Allez, oh. Mais pourquoi il s'accroche plus? Pourquoi maintenant on a dit il s'accroche plus? Pourquoi il s'accroche plus maintenant? C'est un truc de ouf, il s'est toujours accroché, j'avais aucun problème. Mais comment? Quoi? Non mais là c'est rigued. T'as vu le truc qui vient de se passer? Là j'avoue que... J'ai les deux clics appuyés. Tu n'es pas arrivé là où je suis arrivé. Menteur. Moi j'étais là. Tu sais quoi? Là je t'ai laissé tranquille. Tu vois toutes les fois où t'es tombé. Ouais. Bah c'est moi qui cliquais sur la souris pour te faire tomber. Comme ça. Quoi? Mais quoi? Mais c'est lui depuis le début. Mais c'est moi. Quoi? Mais c'est pour ça qu'il disait pas grand chose. Mais quel fils de pute. Mais... C'est un truc de ouf. C'est incroyable. M'avoir comme ennemi tu n'aurais jamais dû. Ok, oui. Ouais, ouais, c'était précis, millimétré. Elle bouge. Oh là, putain. Elle bouge trop. C'est pour faire flipper, y'a pas de... C'est loin, c'est très loin. Oh, bah tu vois.
Pourquoi? Pourquoi y'a un... Ils veulent que tu fasses un... Juste, non, c'est normal. Tu prends beaucoup d'élan et... C'est haut. Oh, ça passe. Oh là. Et c'est parti. Bon, c'est bon, au moins vos streamers de merde, ils iront pas jusque là. Au moins les fils de pute de service de Twitch France. Tous les streamers français multigaming de merde. Oh là. Ah là, et cette fois-ci, il veut que tu fasses un petit saut. Ah ouais, non, ouais, ça y est. Là, le jeu devient pas drôle. En gros, là, le jeu devient pas drôle. Ok. Ouais, ouais. Ah, putain, et heureusement que ça glisse pas trop là. Et là, si imagine, ah non, mais t'as là, rien c'est en dessous. Trop loin. Imagine, t'as rien en dessous. Oh, oh putain. Ah non, ils veulent que tu fasses la même chose ici. Oh non, 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 mais non. Ah, t'as pas le choix. Ça va oh, être impossible. Putain, c'est chaud. Putain, c'était sûr.